Hey, yep tout le monde et bienvenue pour l'épisode Chacha du LP Mollet, un copain PP. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, l'heure des messages qu'il y a actuellement sur votre gauche en bas, c'est des mobs qui se sont en train de se faire buter par Monsieur Natsu. Ouais, il y en a d'autres, mais plus haut. Oh, j'ai oublié de remettre ça. C'est pas très grave. Alors, vous étiez nombreux à aimer Tom Craft et ça, je vous en remercie énormément. Par la même occasion, là on a des jarres qui commencent à bien se remplir. D'ailleurs, j'ai oublié l'armure. Hop, voilà. L'avantage avec l'armure, c'est comme j'ai posé, merde, un bloc de redstone en dessous. En fait, quand celle-ci vous permet de voler, quand vous en retirez un, vous tombez. Donc ça, c'est bon. Mais quand on switch comme ça, lui, il a l'adhérence maintenant. Lui, il permet pas de voler, mais en fait, on a l'adhérence de voler. Par contre, si vous déconnectez et reconnectez, là, vous perdez le mode vol. Bon, c'est pas très grave. Alors, il s'est passé de pas mal de choses. Déjà, le computer, il va virer parce qu'il ne me sert absolument à rien. Du fait que ça ne fonctionne pas comme je veux. On va utiliser la version Applied pour les jars. Donc, j'ai dû enlever tout ce qu'il y a de computer en dessous. Donc, j'ai complètement tout viré. Logistic pipe ici, je vais garder pour l'alimentation automatique de coal parce que le coal on en a beaucoup donc ça c'est bon. Donc ça je le garde, ça y a pas de souci. Je vais faire plusieurs comment ça s'appelle des alchemical construct. Je vais en faire plusieurs pour faire tout en automatique donc via logistic pipe aussi. Donc il va falloir que je mette du coal en dessous en automatique. Donc ça, c'est pas très grave, au pire, hein, ça peut se faire facilement. Je suis en train de regarder un truc. Ouais, je pourrais le mettre là. Ouais, c'est pas trop un problème, donc ça va. Donc ça, c'est bon, je pourrais le mettre en automatique via des suppliers qui permettent de virer tout le temps du coal dedans. Via le réseau Applied, donc ça, c'est super compact et c'est super pratique, hein. Donc ça n'utilise pas beaucoup d'énergie parce que j'en demande pas. J'avais aussi un terminal que je devais connecter ici, j'ai complètement zappé de le faire, on va le chercher maintenant. Dans ceci, c'est un crafting terminal. Hop. Ouais, c'est bon. Alors, il s'est passé pas mal de choses entre l'épisode dernier et l'épisode là, notamment au niveau de la Nodden Gris. Je l'ai posé. Je l'ai posé, vous allez voir tout de suite après, une fois que j'ai fait tout ça. J'ai fait un rangement dans Applied, hein, j'ai agrandi, j'ai mis des gros câbles directement. J'ai tout déplacé pour que ça fasse un accès plus de meilleure qualité. Ça, je vais virer d'ailleurs parce que je trouve ça tellement moche. Voilà. Voilà. On va faire ça YOLO. Des 64K, 64K, j'ai placé des câbles au milieu. J'ai mis des 1K. Pourquoi des 1K? C'est juste des crafting de base, de tampons, pour crafter des petits trucs sympas. Bon, bien sûr, je mettrai des danses par la suite s'il y a plusieurs CPU. Le flux qui permet de faire des flux cristal ou des purs flux en automatique via une interface, hein, donc c'est pour faire cela et cela et cela. Voilà. J'ai modifié ça, j'ai mis un gros dense ici pour avoir tous les mains drive de connecter. Également un P2P avec un petit smart puis un dense, comme ça pas besoin d'alimenter le P2P du fait qu'il s'alimente automatiquement via le M contrôleur. Un tuto applied est en cours, je suis en train de le faire en off sur le créa. Donc ne vous inquiétez pas, il va sortir sous peu. Ici j'ai compacté un petit peu les choses. Ici j'ai changé, j'ai mis le P2P ici. Donc pas besoin de l'alimenter du fait qu'il est monté par le gros dense. Le smart pour pouvoir le connecter. Bon ça vous connaissez le truc habituel. On descend en dense également. Connecté ici, ici et ici. Voilà. En clair, en fait, on utilise très peu de channels tout en haut pour aller voir tout ça. Pour alimenter tout ça. Environ, il y en a 8 des channels hein, de connecter. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Et j'ai mis l'alimentation au-dessus via le tesseract d'énergie. Voilà. Nous, ce qu'on devait faire là, c'était le fameux crafting. Déjà, ok.
Voilà. J'ai de retour le fameux bug. Ouais, ok, très bien. GG. GG les mecs. En bas. En bas. Hop. Tout simplement, c'est pour mettre le crafting sur l'interface directement. Est-ce que j'utilise un câble? Non, je vais le mettre carrément là. Voilà. Oh, c'est magnifique. On a directement un accès. Donc, il faut juste attendre qu'il soit en accès direct. Enfin, s'il y est. Ah, voilà. On a un accès direct depuis notre réseau Apply complet. Ça évite justement des petits problèmes par la suite. C'est-à-dire, si j'ai besoin de call, j'ai juste à demander à avoir du call. Ah oui, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'il en craft en auto, du call, au fait. Parce qu'il y en a 79 000, là, mais bah, il va falloir faire tout ça. Hein. Du coup, je peux en récupérer. Voilà, alors, partie là, Tomcraft, c'est fini. C'est pas fini, c'est en cours de construction, c'est assez long, mais on y arrive. Le truc le plus... big que j'ai fait pendant les deux derniers jours que j'ai travaillé dessus hormis GTA, c'est ça. Waouh, on est à la couche 150 déjà. Oh, oh, oh. Badada, ouais, j'ai fait un truc de Tomcraft avec la Hungry Nut qui se trouve au milieu. Alors elle aspire tout. Et j'ai fait un système là-haut qui permet en fait de virer les mobs. Grâce à des ventilateurs, donc on se fait pousser au centre avec de la Crazer Earth au milieu qui permet de faire popper du mob. Donc c'est avec une Sigilio, je vous ai épargné le crap parce qu'on en a tellement. Voilà, et là je me fais en fait aspirer en hauteur puis aller vers la note. Bon, bien sûr, je l'ai sécurisé la note, c'est pour éviter qu'on tombe dedans. En plus, ça neige. J'ai mis de l'obsidienne autour parce que c'est la zone où on se fait aspirer. Voilà. Vous pouvez entendre le bruit, c'est assez ignoble. Et on a un allumage qui permet en fait de pouvoir allumer et éteindre là-haut. Alors quand on l'allume, pouf, on a des lumières qui s'éclairent, qui s'allument en fait. Et ça interdit le taux de spawn dedans. Et quand on l'éteint, bah, y a du mob qui pop. Voilà. Et quand il pop, bah, il tombe. Alors là, je me fais aspirer, c'est tout à fait normal. Et vous voyez la node là. Déjà, elle bouffe tout. Voilà. Mais elle récupère des aspects. Ces aspects-là me permettront de recharger les baguettes de Tomcraft par la suite. Il m'en fallait une, de toute façon. Donc, j'ai fait popper ça. Donc, il y a tout qui pop, hein, ici. Hein. Je trouve ça tellement fun. Tous les mobs qui se font bouffer. J'en ai chié pour la capturer celle-là. Puis ça récupère de tout en fait. Tous les mobs qui loot, comme l'Underman par exemple, s'il loot une Underperm, bah, c'est aspiré directement. Donc la node, je l'ai passée il y a à peine, on va dire quoi, une heure là actuellement, IRL. Ok, j'ai un régénération 2, donc ça veut dire qu'il y a une glitch. Très bien. C'est pas plus mal, hein. Bon, la witch, elle va me crever, mais... Il y avait quoi marqué Ninja Squelette, ce soir? Ah. Oui, ce genre de choses, en fait, c'est à éviter, parce que... Salut. Voilà. C'est un creeper... comment qui permet de téléporter. C'est assez problématique si vous vous retrouvez à l'intérieur de la node. Ouais. Mais bon, ça devrait pas arriver. Bon, en tout cas, c'est sympa. Ça la nourrit en plus. Et ça aspire tout autour d'elle. Pour moi, pour me dégager, je cours. Là, actuellement. Hop, voilà. Pour me séparer directement. Ça aspire tout. J'avais mis du verre, mais c'est fait aspirer. Le verre là-haut, il tient la route, il se fait pas gober, donc c'est plutôt sympa. Puis j'ai mis du verre autour, ça fait un petit côté design. J'ai fait des branches comme ça,
qui permet d'accélérer ici. Oh, salut. Ok. merde. C'est la The Big Merde. J'ai oublié de dormir. Bon, on se retrouve une fois là-bas. Heureux. Je suis en train de dormir pour c'était mon point. Voilà. Je l'ai fait. C'est bon, je suis content. Je vais aller chercher l'armure. heureusement, j'avais de la bouffe chez moi parce que j'étais en train de crever de bouffe. Il s'est passé une nuit entre nous deux. Hein, donc voilà. On récupère l'armure qui va bien. Et on va chercher notre point là-haut. Voilà. Bon bah. Bon bah, j'ai tout en fait. Hein. Alors on a ça, on a ça. J'ai l'outil la Kikoku. Pour ceux qui s'en rappellent, la Kikoku, c'est la grosse gros sabre qu'on récupère sur un mob. Alors je ne sais plus lequel, mais je l'ai eu. Bah ça je vais le garder, ça je vais le reposer moi en bas. Parce que c'est bien sympa, mais je viens de m'en prendre un sacré coup dans la gueule. Le lift home crowd, la bouffe, la wrench, ça je peux jeter, ça aussi, ça je peux garder, je garde. Voilà. Ok, très bien, c'est très radical, hein. Alors, pour ceux qui veulent jeter ce qu'il faut, tac, 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 tac. Voilà. Et ça va se faire aspirer petit à petit. Voilà. Alors, je vais juste aller voir un petit peu si elle a... Ah oui, elle a récolté des aspects, hein. Tout sympa. Ah oui, forcément, si on vole, ça marche pas très bien. Il faut courir en diagonale et on s'en sort. Voilà, bon. Ah oui, out the world. Très bien. Ah, c'est pas les mobs, en fait, qui sont renommés d'Underio qui crèvent. Ah, c'est peut-être ceux-là. Et puis, il y a la backup qui se lance. Voilà. La fameuse cocotte. Voilà. Bon, je vais garder celle-là. Ça sera plus simple. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à amphibien. Très bien. Je peux nager dans l'eau maintenant. On va s'attaquer à la partie applied de Tomcraft. Alors, il s'avère que c'est assez coûteux quand même. Je vais aller chercher tout ce qu'il faut. Tomic énergétique. Voilà. Alors. Alors, on l'a fait en créa dans la dernière vidéo, voir un petit peu ce que ça faisait. Et en fait, c'est plutôt pas mal. J'ai testé des choses et c'est très, très, très sympa. Alors, bien sûr, très sympa dans ce sens-là, mais il va falloir le faire. Acknowledge Core, on ne peut pas l'avoir. Il n'y a pas de craft. Comment on l'obtient, du coup? Combi de technologie magique unstable. Matter, énergie, conversion, unité. Ah, c'est en combinant des aspects. Ouais. Bah, je vais peut-être l'avoir une fois que je vais crafter des choses en fait. Du coup. Il va nous falloir ce genre de choses. Ah. Des Quicksilver. Déjà, là, ça commence bien. Quicksilver, je ne suis pas sûr d'en avoir. Tac, tac. Ah, oui. Quicksilver, attends, je l'avais. Ça, on l'obtient à partir des petites bouboules, mais on l'obtient à partir de ça. Ok. Alors, ceci, on ne peut pas l'avoir en système de craft, ça. Ok, c'est du cinnabar qu'on cuit. Et je suppose que le cinnabar, on l'obtient que en minant. Très bien. Très bien, ça commence déjà bien. Ouais, en fait, mais les mobs, c'est la node. Très bien. Cool. Cool, cool, cool. Ça, j'avais un craft avec ça. Je me rappelle plus ce que c'est. Ok, c'est des bottles d'XP. Très bien. Ouais, évidemment, on peut pas les enchanter. On va tous jeter. Voilà.
Alors, on va voir s'ils ont... je suis con, pourquoi je retourne là-bas alors que je peux accéder ici maintenant. Quicksilver. Ok, j'en ai pas. Cinnabar. Ok, j'en ai pas. Bon, bah, ça commence bien. Ça commence bien si j'en ai pas. Sinon, j'ai ceci, mais ça me ferait chier, en fait. Si... Je crois que j'en ai récupéré des fleurs comme ça. Ah, j'ai des slim balls. Sim. Je crois que je suis en train de les voir, mais... Ouais, j'en ai que deux. Et j'en ai que deux. Forcément, on peut pas les crafter, on peut que les avoir autrement. Dans un bioreacteur... Ouais, si tu veux. Ça fait du witch. Ça fait ça. Oh, ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Il va falloir que j'aille chercher des arbres. On peut pas les obtenir autrement, ceux-là, par contre. Non, ça, je vais pas la débloquer. Ça et ça. Ça, il va falloir que je le débloque, ça. Ça, il va m'en falloir pour recharger les wands là-haut. Aura. Aura, c'est du vent. Et de la magie. Voilà. Aura, c'est du vent. Et de la magie. Ok, ok, ok. Comparator. Ouais, des shards, des vis. Ok, très bien. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça, il manque toujours de l'ordo. L'ordo, il a du mal à se recharger actuellement. Dépêche. Ah oui, celui-là, c'est vrai. Faudrait que j'arrive à le capturer, celui-là. Parce qu'il peut me donner des belles choses. Va falloir que j'aille dans une forêt. C'était quoi que je cherchais? Ah oui, la fameuse plante. Je suis sûr qu'elle se trouve là-dedans, la plante que je veux. Purification, mutation. Talo. Ouais, normalement je l'ai scanné celle-là, de toute façon. Pour en faire des bougies. Duplication, je l'avais faite. Putain, je peux avoir des slims. Il faudrait que j'arrive à dupliquer du slim. Ouais. Ça, il va m'en falloir plus tard. Ah oui, c'est vrai, j'ai augmenté ici, hein, j'ai fait des recherches. Ça me permet d'avoir ceci, ouais, ok. Les boots, l'arcade lampe, le four, il faudra que je me le fasse. L'arcade levitator, il faudra que je le fasse un jour. Ça, il faudra que je le fasse, surtout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, faudrait bien que je la décroche, celle-là. Pour être sympa, golem je l'ai pas ici. Non, je vais pas l'avoir ici non plus, ça encore moins. Non, ça je m'en fous. Ouais, j'ai en plus j'ai même pas débloqué ce que je cherchais ici moi. Talisman, ça, ça. Donc je duplique ça. Ouais, bon bah j'ai pas si hein, si. Du coup, ça en fait 9. Ouais, les 9, ça peut faire des essentiels tubes. Ouais. Faire ceci, mais ceci, du coup, me permet de faire justement bah ouais, les formations corps. Ça permet de faire ça et ça, et l'inverse. Ok. Eh bah, on va au moins faire un avec nous. Donc, il me faut des ordures et il me faut les entropies. Ordures. Entropie. Voilà. Il me faut des corps. Voilà. M'en faut deux chacun. Voilà. On va attendre que Monsieur se fasse du craft. Voilà. Donc ça va, c'est juste du pur. Ah oh, bah c'est bon, c'est fait. Hein. On va prendre les corps. On va les scanner en même temps.
Ah, ça récupère pas mal de choses. Ouais, ça fait tous les deux la même chose, hein, ces décors. Ça, je les ai scannés, c'est bon. Il va nous falloir la fameuse table de là. Ceci. Ceci. Et je crois que c'est celle-là. Ah bah non, c'est l'autre. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, du coup. Oh, il y a déjà des belles choses. Il y a des belles choses. Ça fait les quasiment les deux mêmes. On va en refaire deux autres. Entropie, machin. D'accord. Ah bah oui, cool. En fait, je suis pas prêt de les avoir, ceux-là. Tout simplement, c'est que il me manque du silver. Donc, bah tant pis, ça sera pas pour ça du coup. Ça, je vais les mettre là du coup. Voilà. Faire un petit tri, YOLO. Tac. Donc ça, c'est con. Bon, c'est pas grave, on a au moins ce qu'il faut pour commencer. On va pas commencer par ça. Le corps, ça nous fait des essentials bus ou des storage bus. Ok, en plus il faut les deux. Je suis un peu dans la merde en fait, hein. En parlant de ça, je suis un peu dans la merde. Du coup, l'essentiel machin, me faut ça et ça et ça. Essentiel terminal. Ok. Bon, il me faudrait ça, mais il me faut l'arcade. L'arcade. Ah, ça fait juste ça. Oh, d'accord. Arcade crafting terminal. Arcade workbench. Ok. Donc c'est. Ah, oh, bah, c'est simple en fait. C'est tout à fait simple. Il me faut du wood. On va en faire 100. Voilà. Donc ça et ça. Plus ça. M'en faut un. Qu'on fait ceci. Qu'on prend une baguette et qu'on fait ça. Voilà. Ça, je l'ai. Celle-là, elle est vide. Il faudrait que j'aille la recharger là-haut. Du coup, nous avons ceci. Voilà. Pour faire la crafting, il nous faut évidemment une AME terminale et un calculation processeur. Terminal. Termi. Bah non, infiniment, je l'ai pas. Hein, sinon, c'est trop beau. Là, il me faut juste les corps en fait. 2-2 et 2-2. Voilà. Crafting, crafting, hop. Terminal. Et il nous faut un proco. Proco comme ceci. C'est parfait. Voilà. On va dans la petite table de craft. D'ailleurs, j'ai celle-là, ça me coûte trop cher à force. Hop. Ça me coûte moins cher d'un coup. Tac. Tac. Voilà. Au lieu que ça me coûte à la base 10, ça me coûte que 7 parce que j'ai l'armure complète. Voilà. J'ai l'arcade crafting terminal. Alors, ceci va me permettre pas mal de choses. Notamment, enlever cette table de craft là et laisser la baguette tranquillement. En fait, c'est ma node qui envoie les mobs dans le void. Voilà. Du coup, bah ça on l'a. Donc merde. Forcément, si je le loot. Voilà. Donc ça c'est bon, ça je l'ai. Il va me falloir, comme tout réseau applied. Naturellement, hein, comme tout réseau applied, il va nous falloir justement un contrôleur. Est-ce que j'ai assez de sky? Oui. Voilà. Un ME contrôleur. Va me falloir un drive, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut qu'on contienne la disquette et comment? Et la disquette à item puis à aspect, naturellement. Il va nous falloir des. On va prendre des smart, hein, parce que des smart, c'est pas ce qu'il y en manque. Hein. Voilà. On va même prendre les. Ceux-là, ils sont plus beaux. Énergie acceptor. Ah.
l'énergie acceptor. Déjà, on va prendre ça. L'énergie acceptor, si je m'en rappelle bien, ce que je m'en rappelle même plus en fait. Énergie acceptor, voilà. Quartz. Voilà. Nous faut ceci, nous faut ça. On va devoir choisir un cas. En crafting. Un cas, ça suffit largement hein, pour ce qu'on va mettre dedans. Donc c'est pas trop le problème. On va peut-être faire des 1K supplémentaires. Un autre de 1K. Ça nous suffira amplement. Comment ça s'appelle aussi ça? Des housing, je crois. Ouais. Sauf que j'ai pas ce qu'il faut. Je crois que c'est ça. De la redstone ici. Et de l'iron en dessous. Ouais. Ah. Oui. Il va m'en falloir un peu plus quand même. Voilà. Hop. Voilà. J'ai fait des 1K. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Comment ça s'appelle? Énergétique. Non. Atomique énergétique. Voilà. Atomique énergétique. Il va me falloir Essentia Terminal aussi. Oh, ça me coûte un petit peu plus cher par contre. Non, quoique le Bright. Illu. Ouais. Illuminal. Ça, je l'ai. J'ai le corps. Il me faut le proco. Un proco en or. Et il me faut quelque chose ici. De mémoire. Ouais, j'en ai une. Vis filter. Ça, je l'ai. On va dans un petit table de craft. Tranquillou. Voilà. Essentia terminal. Hop, que je scanne, bien sûr. Ça nous permet de récupérer des aspects en plus. Donc ça c'est bon, bon point, bon point. Les smart, j'ai pas, ça j'ai pas. Les 1K, ça je vais scanner. Voilà, ça fait toujours des aspects. Ça je suis pas sûr que je puisse le scanner. Ouais, c'est ça. Donc ça et ça c'est bon, c'est correct. Le four OZEF. Ça, je vais le mettre plus loin. Est-ce que j'ai une dolly? Est-ce que j'ai la dolly surtout? Ouais, j'ai la dolly. Voilà. J'ai la dolly. Ceci va m'en falloir. Cependant, je voudrais bien faire un système que bah ça et ça, ça va là et ça se met un furnace là. Comme ça, je peux mettre l'énergie acceptor. Le câble ici. Alors ça va casser un petit peu le décor. Mais OZEF. Hop. Voilà. On va faire quand même quelque chose de cool. Voilà. Pour éviter que ça casse de trop, on va me faire ça comme ça. Ça, je crois pas que je puisse. Ouais, parce que c'est moche. T'es passé où toi? T'es là. Alors ça plus tard, il va me falloir un supplier. Voilà. Il va me falloir un coal. Voilà. Et il va me falloir des basiques. Pas forcément que des basiques d'ailleurs, plutôt des gold. Deux, trois, quatre. J'ai l'énergie acceptor ici. Le ME contrôleur. Le drive. Ça et ça. Et des choses en dessous. Ça pourrait être pas mal. Donc, on va foutre ça là. On va foutre un
furnace, générateur de préférence. Voilà. Normalement, ça doit pas s'écouler tout de suite. Le câble, ceci en request 100. C'est bien 100, hein. Ouais, c'est ça. Hop. Le call pour tout charger. On va foutre du basique. Parce que YOLO. Voilà. Et normalement, ça doit être appelé. Ouais, c'est ça. C'est automatiquement appelé. C'est cool. Ouais, ça se connecte. C'est bien ce que je pensais. Ça se connecte bien. Ça, OSEF. Hop là, merde. Voilà. C'est moche, mais OSEF. Ça se connecte, certes, mais c'est pas très grave. Parce qu'on peut mettre les items quand même. Ça ne se connectera pas parce que c'est un truc con. Pas con, c'est intelligent ces câbles là. C'est pour ça que j'ai mis ça. Si j'aurais mis des golden, par contre, l'item serait parti, il serait rangé ici automatiquement. Or que ce n'est pas du tout mon cas. Le ME contrôleur qui permet d'alimenter. Oh putain, ça a bouffé 2000 RF d'un coup. Yo. Bon, ça va, ça se rajoute en énergie. Ceci. Deux disquettes obligatoires. Ceci. L'arcade. Et l'essentia. Voilà. D'ailleurs, voilà. Donc, l'avantage. Et c'est ça que j'aime bien. Putain, j'ai l'impression que le truc il a un ouvert. c'est que en fait non, je vais pas mettre ça là. Je vais mettre le drive en dessous. Voilà. Je vais mettre le drive en dessous. Je vais foutre ça là-haut directement. Voilà. Hop, hop. Voilà. Comme ça, c'est tout beau, tout propre. Le coffre là, il me gêne. Je le décale. Voilà. Smart, je vais garder. Stone, je peux jeter. Ça, je m'en fous. Donc ça, c'est cool. Hop. Donc, on a la partie essentielle. Donc là, on peut rien mettre encore. Et là, on peut mettre des choses. Ça veut dire notre baguette là. Cette fameuse baguette, on peut la mettre ici. Pouf. Voilà. Et quand on va demander des crafts, on peut directement récupérer tout ça là. Donc c'est pour ça que je vais garder des fameuses pressions. Donc ça, on peut garder. Ça, on peut prendre. Par exemple, on peut prendre aussi des essences de shard. Ouais, c'est pas mal. On peut prendre ça, ça. Les mixed cristal. Je vais les prendre pour les péter. Formation corps, on prend. Essentiel vis, on prend aussi. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Il y a d'autres choses qu'on peut prendre. Hein. Les itérales, ça, je prends ça. Du coup, on va prendre ça, ça. Synaperle, on prend pas. Essence shard, on prend. Inksac, je vais pas prendre ça non plus. Ça, je peux prendre juste pour moi. Ça, je le prendrai bien, mais plus tard. Oh, on a du cul silver drop. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, je prends pas non plus. Donc ça, j'ai fait montrer ici. Ça, je m'en tape un peu. Ça, je prends obligatoire. Amber. Je vais prendre le amber. Ça peut servir. Ici, j'ai pas de amber. Hein. Non. Ah. Voilà. Ça, je vais le prendre aussi. Et du coup, je peux mettre tout ça dans mon réseau. Sauf ça. Ça, ça, ça. Tac. Tac, 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 tac. Ça, non. Ça, oui. Voilà. Donc, il y en a 30 à péter, hein, c'est tout à fait normal.
Mais en fait, je pense que je vais bien m'amuser du coup. Parce que, comme on avait vu en créa, c'est que, en fait, on peut mettre une note chargée d'un côté de la pièce et le rendre, comment, disponible via Applied. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je suis en train de voir un petit truc en fait. Non, en fait, ça marche pas plus que ça. J'aurais pensé en fait que ça peut être super vite, mais pas du tout. Tant pis. Ça va, ça n'a pas été dedans. Parce qu'il peut y avoir des shards qui tombent dedans. Et puis bah on prend ça, 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 ça et ça. Voilà. Donc du coup on a toutes nos shards ici. On peut demander du craft. Bon, le craft, je pense pas qu'on puisse l'avoir, quoi. Parce qu'il va. On peut pas faire du craft auto ici. Pas dans la plate. Pas dans la version là en tout cas. Bah on peut, mais pas pour le réseau Tinker. Tinker, oui bien sûr. Tom Craft avec Applied, voilà. Donc ça consomme pas beaucoup. C'est. Si ça consomme en fait. Pourquoi il m'en envoie pas plusieurs? Je suis en train de voir là-bas. Ah bah oui, j'en ai mis que. En fait, j'en ai pris que un par un. Sauf que je veux en envoyer 64 par 64. Voilà. Donc là, normalement, il va m'en envoyer. Ouais, c'est bon. Voilà. Retour à un item. Quand lui sera gobé, du coup. Quand l'énergie va descendre. Pouf, voilà. Ça va du coup reprendre un qui va en reprendre un seul. Ah, ça brûle quand même pour 20 000 RF quand même. Donc normalement, il y en a un autre qui doit être appelé. Voilà. Ah bah oui, forcément. Ah d'accord, je comprends. Le supplier, comme il est pris là, ok, très bien. Comment je pourrais filtrer les swords? Attends. Donc du coup, bah ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est cool. Du coup, bah ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah l'énergie, en fait, j'en ai pas besoin. Les smart, j'en ai plus besoin. La hache, je vais la garder quand même. Donc voilà. Ça, en tout cas, on a fait un petit réseau Applied rien que pour ça. Donc c'est bien. Est-ce qu'on fait concernant l'épisode? Attendez, je vais voir si on a le temps pour faire l'épisode, bah, la suite de l'épisode. Bon, on est à 40 minutes. Alors, j'avais dépêché pour justement faire la dernière petite carte qu'il nous faut. Donc, ça veut dire le 1K. Oh putain. Ah oui, d'accord, il faut vraiment du 1K comme ça, avec des éthers à l'essence. Très bien. Donc, pour une fois, les éthers à l'essence vont nous servir à quelque chose. Par mon plus grand hasard. Je voudrais bien aussi que, en fait, il y a un câble qui se connecte là. Alors comme ça, c'est une façade. En fait, ce que je veux faire, c'est grâce à un câble comme ça. On va le faire dans le prochain épisode. Ça sera plus simple parce qu'il me faut plus de choses. Et pour éviter de traîner l'épisode, on fera ça dans le prochain épisode. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker. Et bisous tout le monde. Ciao.